Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live. Vous nous suivez de partout en République démocratique du Congo. Merci. Moïse Yang, bienvenue à vous. Ce matin avec vous en exclusivité sur Congo Live. Vous allez bien? Nous allons très bien. La santé s'améliore de plus en plus. Donc ça coule. Mm-hmm. Quelles sont les nouvelles ce matin? Les nouvelles ce matin, c'est que déjà la ville de Goma et toute la République démocratique du Congo se prépare pour déjà une campagne électorale très mouvementée qui, dont le coup d'envoi sera lancé officiellement ce 19. Donc c'est dans 3 jours que la campagne officielle électorale sur toute l'étendue de la République va être lancée par la centrale électorale. Ça, c'est une grande nouvelle qui, en tout cas, marque l'opinion aujourd'hui. À Goma, on voit en tout cas des potentiels candidats en train de bousculer effectivement ça et là pour essayer un peu effectivement de se taper une santé politique. Les électeurs qui se préparent aussi à conséquence pour effectivement affronter cette échéance électorale. Ça, c'est une chose. Et si les plats sécuritaires, c'est que on est toujours là. À Goma, ça va relativement calme, bien que aux alentours de la ville, il y a toujours cette incertitude qui règne. D'accord. Alors, Monsieur Moïse, dites-nous, vous avez vu les images des forces armées de la RDC? Absolument, nous les avions vues avec satisfaction et nous sommes très convaincus que déjà Kagame et les Rwandais généralement, aujourd'hui, ils sont vraiment, ils ont la paix au ventre au regard effectivement de cette prouesse, ou du moins ce que j'appellerais la montée en puissance qui s'observe au sein des FRDC, déjà des enjeux de haute qualité qui sont aujourd'hui en usage. Qui sont en train d'être utilisés par les forces armées de la RDC sont effectivement autant des choses qui essaient un peu de faire trembler Kagame. Déjà, ces images obtenues au travers des drones militaires, des drones d'une très bonne qualité, aujourd'hui essaient un peu de mettre effectivement Kagame en déroute. Donc pour nous, c'est déjà une très bonne chose parce que aujourd'hui, nos forces loyalistes commencent effectivement à
tout faire pour effectivement avoir la modernisation de notre système de défense et de nos matériels militaires. Et nous espérons que on doit évoluer dans cette logique-là. Est-ce que c'est on a vu des matériels, en tout cas de dernière génération, déjà utilisés par les FARDC? Tout à fait, c'est déjà quelque chose qui fait trembler les Rwandais. Je vous dis, il y a la peur au ventre. Évidemment, vous ne verrez jamais les médias rwandais diffuser cela ou effectivement reconnaître effectivement cela parce que c'est quelque chose qui essaie un peu de les mettre en débandade. Mais pour nous, en tant que effectivement Congolais, en tant que patriotes, nous saluons déjà cela et nous appelons effectivement l'hiérarchie militaire et les autorités congolaises à toujours faire de même. Il faut tout faire pour doter, pour octroyer nos militaires des engins modernes et des matériels militaires sophistiqués, capables effectivement de mettre un terme à cette blague qui continue à nous imposer les M23 sous les labels du Rwanda de Monsieur Paul Kagame, les sanguinaires, les Hitler du 21e siècle. Montée en puissance de l'armée congolaise. Les FARDC ont la capacité de voir et contrôler les territoires nationaux les jours comme la nuit, dit le colonel Ndjike, avec les drones de l'armée. Les FARDC peuvent filmer tout ce qui se passe réellement sur terrain. On peut les voir dans cette vidéo. Tout à fait, c'est effectivement des matériels qui sont très cruciaux et très utiles pour l'armée. Effectivement, on peut espérer qu'avec ça, l'armée sera à mesure effectivement de capter ou du moins de pouvoir surveiller l'étendue de la République et très particulièrement pour la province du Nord Kivu. Il faut concentrer effectivement les énergies ici. On ose croire qu'avec ça, côté renseignement militaire, déjà, c'est un grand pas franchi. On n'aura plus à pleurnicher comme quoi il y a eu défection, il y a eu des éléments RDF qui se sont déversés sans pour autant que nous ne puissions pas les appréhender. Ça veut dire qu'à travers ces appareils, il y a de quoi espérer à ce que notre renseignement militaire puisse effectivement aller de l'avant et permettre à ce que non seulement nous puissions orienter le frappe de l'armée. Parce qu'en fait, dès lors que vous avez la capacité effectivement d'appréhender l'ennemi ou effectivement les mouvements qu'effectue l'ennemi, vous êtes en possibilité de l'anéantir ou d'ouvrir le feu sur eux. Imaginez que les drones essaient un peu de retracer déjà les mouvements de l'ennemi. Déjà là, ceux qui sont sur les chars de combat et d'autres matériels, ils seront dans la possibilité ou dans la facilité d'orienter des frappes très bien cadrées. Mais ces drones, en tout cas, c'est une nouveauté dans l'armée congolaise, car C'est tout ce que nous même les continuons à matériels demander, utilisés. messieurs les journalistes. On ne peut pas gagner une guerre sans pour autant avoir des matériels et des munitions adaptés effectivement à la guerre. Et déjà là que l'armée commence effectivement à débrayer des drones, à débrayer effectivement certaines armes, effectivement, modernes, moi j'estime que déjà on part sur la très bonne voie. C'est tout ce que nous demandions. On doit avoir un certain nombre de choses pour espérer à vaincre une guerre. Et je vous en avais parlé ici. Je l'ai dit chaque jour. Il faut avoir un effectif suffisant. Nous avions déjà beaucoup de militaires qui sont ici, mais c'est aussi mieux que d'autres militaires qui sont dans des provinces non insécurisées et qui ne travaillent pas, qu'ils puissent venir ici. C'est plus important que nous puissions songer, messieurs les journalistes, à ce que j'appelle ici la ration alimentaire des militaires. Faire en sorte que à chaque fois qu'ils sont sur la première ligne de front, qu'ils ne manquent pas à manger. Et en fait, les doter de ces matériels militaires-là modernes. Déjà, c'est un bon quelque chose. Effectivement, il faut que ça soit orienté vers ce qu'on appelle les génies militaires. Ce n'est pas tout le monde qui, ce n'est pas tout militaire qui a mesure effectivement d'utiliser les drones. Mais là, c'est déjà un débat technique. Mais par rapport effectivement à ce qui nous concerne, nous, c'est tout ce que nous demandons au gouvernement. Il faut doter les FARDC de tous les moyens et de toute la logistique possible pour espérer effectivement vaincre cette guerre.
vous avez confiance que la guerre, on va la gagner. Mais je suis très confiant, je suis très optimiste et je puis vous dire que le Rwanda ne va pas effectivement nous vaincre. Kagame n'a rien de spécial qui puisse nous battre. Et même s'il a cet appui-là des impérialistes, mais nous sommes aussi unis comme un seul homme et ensemble, FRDC, Ouazalendo et peuple congolais, nous allons tout mettre en œuvre pour que notre province, notre pays recouvre sa souveraineté. Et pensez-vous que les gens sont déterminés pour ça? Très déterminés, plus que au niveau où vous pouvez l'imaginer. Déjà, vous voyez ce que les Ouazalendo font sur le terrain. Nous, le peuple, on essaie un peu de mobiliser. On a mené récemment une campagne intitulée Soutien au FRDC. On a récolté à Goma des vivres et des non-vivres et de l'argent. On a remis au FRDC. On a remis effectivement à la 34e région militaire ici à Goma, façon pour nous effectivement de réaffirmer et de démontrer notre solidarité envers l'armée. Même chose pour le Ouazalendo, on l'a fait et les premiers lots, nous l'avions remis aux compatriotes Ouazalendo qui sont à Masisi et à Rutshuru et nous continuons à mobiliser d'autres compatriotes de partout à travers le pays et de partout à travers le monde qui sont vraiment préoccupés par la situation aussi catastrophique qui se passe ici, à pouvoir chacun dans la mesure du possible apporter quelque chose pour essayer un peu de moraliser nos troupes qui sont sur la première ligne de front. Il en vaut aussi pour nos compatriotes qui sont dans des cas de déplacés ici à Goma. Je parle très spécifiquement de nos mamas, de nos compatriotes qui sont à Kanyarutinya, d'autres qui sont à Boulengo et d'autres qui sont à Don Bosco. Il y a même un autre cas là au nord de effectivement de Nyiragongo. Donc tout Congolais au niveau où il peut a la possibilité effectivement de solidariser et de faire en sorte que nous puissions effectivement nous préparer et faire tout ce qui est de notre possible pour que nous puissions effectivement en découdre une fois pour toutes avec cette blague nous imposée par les Rwandais. La Cour suprême britannique juge illégal d'expulser en tout cas des demandeurs d'asile au Rwanda. Kagame peut dire adieu aux 150 millions de dollars que devrait lui verser le Royaume-Uni dans le cadre d'un accord signé en avril 2022 pour accueillir les demandeurs d'asile dont le gouvernement britannique ne veut plus. Alors, ce qui est sûr, c'est une très bonne nouvelle. J'ai vu la réaction de Kigali. Kagame s'est agité à la suite, effectivement, de cette décision. J'estime que déjà le Royaume-Uni commence petit à petit à comprendre, et tout comme d'autres États qui continuent à jouer aux bons offices envers le Rwanda, que c'est en fait un pays qui est dirigé par un Hitler, un sanguinaire, et qu'il faut les coincer à tous les niveaux. Ça, c'est déjà un premier pas, mais moi, je crois qu'il y a aussi autant d'autres mesures que ces États, ces puissances, effectivement, devraient prendre à l'égard de Kigali pour essayer un peu de faire comprendre à Kagame qu'écoutez, le Congo et le monde entier s'inscrit en faux contre effectivement ce que vous faites à l'égard de du peuple congolais. Moi, personnellement, je salue cette décision prise par la Grande-Bretagne. Est-ce que pensez-vous que ça fait partie de la diplomatie du président Tshisekedi? Ou bien des réclamations, alors des dénonciations. Ça fait partie effectivement des réclamations qui sont adressées effectivement à toutes ces puissances par non seulement le gouvernement congolais, mais par nous tous en tant que peuple congolais. C'est tout ce que je suis en train de faire ici. Nous ne cessons de déplorer effectivement cette indifférence qui a marqué ou qui caractérise la grande partie de ces puissances extérieures. Je parle ici de la Grande-Bretagne, je parle ici de la France, je parle ici de la Belgique, je parle ici des États-Unis et d'autres pays issus de l'Organisation des Nations Unies. Tout ce que nous continuons à demander, récemment, vous aviez vu, les États-Unis ont coupé effectivement les cordons ombilicaux avec les Rwandais concernant leur appui militaire. Déjà là que la Grande-Bretagne essaie aussi de coincer Kagame, nous osons croire que la France de Macron, qui aujourd'hui joue aussi à la politique des deux poids, des mesures, va emboîter les poids. Et s'ils ne les font pas, nous allons les contraindre. Déjà là, à Goma, vous êtes sans ignorer que nous faisons de notre mieux pour que ces aventuriers de la MONUSCO puissent quitter notre sol, parce qu'en fait, c'était déjà qui était en train de faciliter l'ennemi à pouvoir nous anéantir. Déjà,
cette décision. Elle rentre effectivement dans l'ensemble des revendications qui étaient adressées à toutes ces puissances par nous, la population, et par le gouvernement. J'étais en train même de le dire à maintes reprises que même nos compatriotes de la diaspora ont aussi tout intérêt à bousculer les ambassades et même les corps diplomatiques de tous ces pays de l'autre côté. Nous avions effectivement notre représentation diplomatique en Angleterre et nos Congolais qui sont là doivent aussi bousculer, au besoin organiser des actions de grande envergure là-bas pour effectivement tirer l'attention de... effectivement des responsables de ces pays, comme quoi la RDC est victime d'une agression lui imposée par les Rwandais et qu'il sait effectivement de coincer Kagame sur ce plat-là. J'ai sali à juste titre cette décision. C'est moi qui a gagné pour les Rwandais. Mais tout à fait, Kagame s'est agité, je vous dis. Je n'ai pas directement à revenir sur l'ensemble de sa déclaration qu'il a faite à la suite de cette mesure, mais je vous dis, il a semblé pleurnicher. Tout. Mais mais je pense que toutes les deux parties, ils perdent quand même quelque chose, parce que même la Grande-Bretagne, c'était quelque chose pour eux qui devrait aider surtout ces demandeurs d'asile. D'être bien, mais beaucoup plus, c'est le Rwanda qui est le plus grand perdant. C'est vraiment Kagame qui est le plus grand perdant. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, en fait, à l'entendre parler, vous sentez que il est comme si, en tout cas, il n'est plus dans son bain. Il est très sidéré par la mesure. Moi, je crois que effectivement, de part et d'autre, il y a des manques à gagner, mais beaucoup plus Kagame est le plus grand perdant. Et ça, c'est juste un premier pas, messieurs les journalistes. On va les faire sentir. On va faire en sorte que le monde entier puisse coincer Kagame. Ça, c'est notre lit à nous et nous allons continuer à le faire. En plus, lui-même, Kagame n'a même plus 2 ans, messieurs les journalistes. Donc, il devrait... Mais son état de santé le démontre. Il n'est plus en bonne santé, il est devenu plus comment est-ce que je vais dire? Excusez-moi les termes, je peux vous dire qu'il ne reste avec les squelettes. Monsieur, ça c'est sûr, vous ne le voyez pas. Essayez un peu de cliquer sur le net et vous allez voir son état. Ce n'est pas comme je suis ici, en bonne santé, mais il continue à nous faire effectivement du mal. Est-ce qu'il est conscient que de cette cicatrice historique ou de ces mauvais souvenirs qu'il va laisser entre nous et son pays? Je suis aussi quand même révolté de voir certains Rwandais se laisser aussi manipuler par ces sanguinaires, alors que nos frontières, Demerero effectivement, éternel, les Rwandais et le Congo, nous demeurerons des voisins éternels, mais un monsieur qu'on appelle Kagame veut effectivement mettre en étau le voisinage entre nous et les Rwandais. Et les conséquences, messieurs les journalistes, elles sont non seulement gravissimes à court et à long terme. Alors, on va finir par cette actualité. Ceci, on va y revenir avec notre invité. Des duts militaires, dont une ambulance, ont quitté Bambo aux alentours des 11h hier mercredi. Dans cette ambulance, il y avait 7 cadavres, 7 blessés selon des sources locales qui y avaient en tout cas l'importance de leur... disons, il faut dire que ces sources affirment en tout cas que ces cadavres, c'est... Donc l'ambulance s'est dirigée au Rwanda parce qu'il s'agit des militaires rwandais qui ont été tués à Bambo. À Bambo, on signale que c'est dans les retours effectivement. Il y a eu des affrontements avant-hier, même aux heures d'avant-midi, d'hier mercredi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'armée continue à renforcer ses militaires sur les sols congolais? Effectivement, dès qu'on essaie un peu de capturer des cadavres de l'armée rwandaise, parce qu'en fait c'est une armée officielle envers laquelle nous faisons face, ça veut dire tout simplement qu'ils ont été anéantis. Et je puis vous dire que le débat aujourd'hui n'est pas au niveau de dire est-ce que c'est vrai, le Rwanda appuie le M23, tout a été démontré, non seulement au niveau interne, mais au niveau externe.
Et ces aventuriers qui continuent à se déverser sur notre territoire, ils vont nous sentir. Déjà, qui sont en train d'enregistrer effectivement d'énormes dégâts matériels et humains, ils ne s'en rendent pas compte, mais ils continuent toujours à vouloir effectivement nous faire du mal. On reste très déterminés et on reste très engagés à ne pas le permettre effectivement de continuer avec cette sale besogne. Même le Azalendo, dès lors qu'ils attrapent effectivement un élément RDF, je peux vous dire qu'on les traite de la manière la plus féroce qui est possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut tirer sur lui comme pas possible. Il faut effectivement lui donner une leçon de morale. La guerre a des conventions quand même. Quelle convention alors que l'ennemi lui ne respecte pas? Déjà, les rebelles du M23, ils font comme s'ils n'ont pas de notions relatives effectivement au droit international humanitaire. Les rebelles bombardent même des localités occupées par des populations civiles. Ils détruisent même des installations effectivement sociales. Alors, je pense qu'ils sont très mal placés pour nous faire des leçons relatives au respect du droit international humanitaire, ou du moins du droit de la guerre. Aujourd'hui, il faut une guerre effectivement qui ne respecte rien en termes effectivement de droits internationaux humanitaires. Ils ont même souscrit à ce qu'ils appellent effectivement cesser les faits, mais ce sont eux qui sont les premiers à voler ça. C'est ce qui nous a même poussé à demander au gouvernement et aux responsables de l'armée à pouvoir s'en passer de cette aventure. Parce qu'en fait, s'ils étaient sérieux, déjà là, départ d'autres, on devait respecter le cessez-le-feu et chaque cas devait demeurer dans les localités ou dans les agglomérations jadis occupées. Mais parce qu'ils n'ont pas voulu les respecter, voilà pourquoi nous sommes entrés dans le plateau FARDC de pouvoir faire des ripostes et des attaques ciblées contre ces aventuriers. Maintenant là, j'ai vu effectivement l'ARENS et le fameux Willy Ngoma a annoncé effectivement un meeting à Bunagana dans lequel... Quoi? Cet aventurier, moi je ne peux pas l'appeler major en fait. C'est notre acolyte de M. Paul Kagame. Un aventurier. D'ailleurs, il est parmi les gens qui seront pendus publiquement dès lorsque nos jeunes parviendront à mettre la main sur lui. Je les préviens, je n'ai pas peur. Je vous dis Willy Ngoma, Bissi moi, Lawrence. Ils sont très nombreux, je peux vous dire, je me limite pas là, mais je vous dis, on a une dent contre ces aventuriers et dès lorsqu'on parviendra à mettre la main sur eux, vous verrez vous-même ce que vous observez dans des films. Message aux forces armées de la RDC. Soutien indéfectible à nos militaires qui n'aménagent aucun effort pour la sauvegarde et la restauration de l'intégrité de notre territoire. Nous réaffirmons notre... soutien à leur égard, nous les rappelons que nous faisons face à une situation très gravissime et qui nécessite effectivement les efforts qui sont effectivement continus. Nous appelons les peuples congolais de partout où ils se trouvent à travers la République à pouvoir aussi faire de même. Nous soutenons tout de même et continuons à féliciter nos jeunes Wazalendo qui sont sur la première ligne de front à pouvoir continuer effectivement à ne pas effectivement faire un pas en arrière, plutôt continuer à battre l'ennemi. Pas de repli stratégique, chers compatriotes. Merci mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cet entretien. Moïse, merci d'avoir été là. Merci à vous, merci à tous les téléspectateurs de Congo Live. Le plus 243 99 25 42 946, c'est le numéro à travers lequel vous pouvez nous retrouver sur WhatsApp. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardé. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Moïse, merci. Je vous en prie. Bye.